be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver à la Savonnerie pour une nouvelle semaine de vlog. Ouais. Je suis toute seule, donc vous allez me tenir compagnie. On va faire du savon, évidemment. On va faire de l'étiquetage, évidemment. On va préparer des commandes, évidemment. Et j'ai plein de choses à vous raconter. Longtemps qu'on ne s'est pas vu en vlog, donc je suis ravie de vous emmener avec moi dans ma semaine. Et sans plus attendre, on file au labo. Alors ce matin, on va vraiment pas tarder parce qu'il est 9h30, je suis pas du tout en avance. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai passé une très mauvaise nuit, mais bon, ça fait partie aussi du job. Hein. Les savons ne vont pas se faire tout seul si je ne fais rien. Donc on y va. Aujourd'hui, j'ai prévu une fabrication de verveine agrumes. C'est un savon que vous adorez et que je réfléchis à garder au catalogue toute l'année. Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et c'est surtout un savon que je ne vous ai jamais montré encore en fabrication complète. Donc on y va, on met tout ça en route. C'est parti. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais je me suis plantée. Donc je ne sais vraiment pas si ce savon va être réussi parce que en fait je ne l'ai pas travaillé à la bonne température et je ne l'ai pas travaillé à la bonne trace. Et je m'en suis rendu compte avec le temps, en le faisant. En soi, bon, voilà, c'est vraiment juste un ajustement, mais qui peut être très important par rapport au résultat. Donc je vais le laisser chauffer un peu parce que là la pâte est trop liquide pour que je puisse mettre les petites décorations. Je vais le laisser chauffer un petit peu. Là, je l'ai couvert. On va attendre peut-être une petite demi-heure, 20 minutes. Je vais commencer à ranger, à nettoyer tout ça. Et puis après, je vais l'ouvrir et je vais regarder. Bon, bah, ce vlog commence sur un fiasco, je pense. Je suis vraiment dégoûtée. En fait, j'ai vraiment fait ce savon ce matin en plus parce que je vlog. Je pense que sinon, j'aurais attendu cet après-midi parce que je suis vraiment super fatiguée. Et sa fabrication de savon, ça demande vraiment d'être super concentré, d'être super sur ce qu'on fait. Et là, en plus, c'est vrai que je reprends toutes les productions de chaque savon et je ne me souviens pas forcément exactement de toutes les petites subtilités qu'on avait mis au point pour chaque recette, pour qu'elle soit vraiment au top. Et là, je suis dégoûtée. Franchement, on va avoir demain, mais je pense qu'il y a 9 chances sur 10 qu'il soit moche. Donc voilà. Bon, je vais faire la pause, il est midi et je pense que cet après-midi je vais juste préparer les commandes et on doit faire un truc avec Ludo puisque on va bientôt accueillir des stagiaires à la FLA Academy et normalement tout est prêt là, on doit lancer ça cette semaine, les inscriptions, les premières candidatures. Donc je vais vous en reparler très 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 vite dans ce blog. Bon, changement de programme parce que en fait je vais commencer par préparer deux commandes. J'ai deux commandes UPS
Et il se trouve que mon fils est en stage de troisième cette semaine et fait son stage dans un relais qui prend les colis UPS. Et comme je vais le chercher à 13h et qu'il est midi 10, je vais préparer juste ces deux commandes-là puisque l'autre point relais qui prend les colis privés lui ferme le midi. Donc voilà. J'ai fini de préparer les quatre derniers colis. Donc il y a un mondial relais et trois colis privés, donc à deux endroits différents. Donc maintenant je pense à bien séparer, comme ça c'est plus facile. Je pense que c'est Ludo qui ira les emmener ce soir, puisque c'est lui qui va chercher notre deuxième enfant. Donc vous voyez, on fait une bonne équipe, parents associés. Donc voilà, là j'ai fini les commandes que je vais aller mettre de l'autre côté. En même temps, je suis revenue tout à l'heure là parce qu'il est 2h20, donc ça fait déjà un petit moment que je suis là. J'ai rangé les deux premiers lave-vaisselle, il y a juste la dernière grosse marmite qui est en train de tourner. Voilà, j'ai tout nettoyé ici. Il va me rester que le sol. Et ça, je le ferai ce soir. À part ça, je suis de retour ici pour faire le ménage. Mais d'abord, je vais refaire quelques coffrets maman-bébé parce qu'il y a certaines personnes qui attendent pour pouvoir faire des cadeaux. Donc du coup, je vais refaire ça tout de suite. Je vais en faire deux ou trois. Je vais voir. Et on va aller découvrir ensemble notre savon d'hier. J'ai à la fois hâte et pas du tout. On va le découvrir ensemble. Juste, je m'habille et on y va.
Bon, bah, je suis plutôt soulagée, comme vous pouvez le voir. Je l'ai réanimé. Je pense que j'ai testé un truc et c'était la solution de la dernière chance et ça a marché. Donc, je suis super contente. Pour vous donner une idée, j'ai juste perdu 3 ou 4 tranches parce que, en fait, ce que j'avais peur que ça fasse partout, c'est ça, vous voyez? Ce côté blanc là, ce côté friable. Voilà, vous voyez? Pour que vous compreniez ce dont j'avais peur, ce que je craignais, c'est que ça fasse ça. Donc là, j'ai juste sacrifié quelques tranches. Là, il y en a certaines que du coup, je récupérerai pour faire des échantillons. Mais grosso modo, ils sont vraiment sympas. Je suis tellement soulagée parce que c'est vraiment pas un plaisir de rater un savon. Donc maintenant, eh ben, on va les ébavurer et tous les tamponner. Allez, il est presque 17h et j'ai fait le taxi pour les enfants. J'ai emmené l'un au stage, l'autre je l'ai récupéré de l'école. J'ai fait un petit tour pour profiter de ce magnifique soleil. Petite promenade avec les chachas. Et maintenant, je vais retourner à la savonnerie pour faire quelques coffrets découvertes qui vont être un petit peu différents de ceux de d'habitude, parce que j'ai plus certains savons à mettre dedans, donc on va faire des coffrets de découverte avec une version spéciale. Après avoir étiqueté donc en début d'après-midi 174 savons au charbon, je viens de terminer 16 coffrets découvertes. Donc je vous montre voilà comment ils se composeront les prochains. Donc avec un savon miel, un savon charbon, un savon flower confetti édition donc limitée,
un savon Lotus bleu et un savon tropical, donc toujours dans le même coffret. Simplement, il y a deux savons qui changent. Le flower qui va remplacer le Neroli et le miel qui va remplacer l'avoine. Donc ça sera le même prix. Mais pour le moment, voilà, pour le moment il est comme ça. Et il m'en reste 5. Alors je ne sais pas si dans les commandes aujourd'hui il y a des personnes qui en ont pris. Là j'ai 3 commandes. J'ai pas pu les traiter aujourd'hui parce que le Packlink, en fait la solution d'affranchissement. Voilà, les étiquettes étaient toujours en brouillon et je ne pouvais pas les imprimer. Donc ça sera pour demain. En attendant, moi, j'arrête pour ce soir. Il est 6h pile. Je n'ai pas fait exprès. 18h pile et j'arrête pour ce soir. Je pense que je vais aller terminer, je vais aller faire le montage d'aujourd'hui. Mais il est déjà 18h, donc je vais essayer de ne pas trop finir tard parce que hier j'ai fini à 19h30 et après... c'est un peu tard. Hello, hello, on est mercredi et là j'ai préparé une production de savon Mon Ange. Donc aujourd'hui j'ai prévu de faire ce savon Mon Ange mais avec une édition spéciale. Et je voudrais faire un topping à la poche à douille, un peu comme sur le flower. Et je voudrais faire du coup un marbrage un peu différent à l'intérieur, mais figurez-vous que je suis en train de le faire, mais je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme marbrage. Donc là, je vais me poser, je vais y réfléchir 5 minutes. J'aurais bien tenté la même chose que le verveine agrume, mais bon, ça va peut-être pas trop vous varier comme savon cette semaine, mais j'ai bien envie de le tenter comme ça. C'est ce qu'on appelle un marbrage flamme. Donc là, tout est quasiment prêt. Il faut que je vérifie les températures là, des beurres. Les huiles sont déjà dans la marmite et la soude est en train de refroidir.
ben voilà, c'est fini. On lui a trouvé un design. J'ai hâte de voir ce que ça donne à l'intérieur. En tout cas, le topping, j'adore. Je trouve que ça fait un petit peu mariage. Ça pourrait être une idée, ça, pour un cadeau, un gâteau, enfin, un cadeau de mariage pour les cadeaux invités. Je trouve ça super sympa. Je trouve ça trop mimi. Enfin, bref. Il est là-dessous. Il est au chaud. Il est tranquillou. On va le démouler donc demain. Je me pose un peu parce que c'est quand même assez éprouvant, fatigant, surtout le topping comme ça pour le dos, ça, faut rester hyper concentré, c'est pas évident, évident. Donc voilà, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai un petit problème avec des commandes. J'ai deux de mes commandes d'hier qui sont toujours en statut, en attente pour que je puisse générer un bordereau de livraison. Et là, je peux rien faire. On a remonté chez Packlink. Ça me met le brouillon est en cours de création. Et en fait, bah, quand c'est comme ça, la commande, enfin l'affranchissement n'apparaît pas dans le back-office et du coup, je ne peux pas imprimer d'étiquette. Donc j'espère que ça va se régler très très vite parce que j'ai envie que mes commandes partent vite, que les gens aient leurs produits. On va voir. Voilà. Sinon là, il est 11h presque et demie. Donc je me suis un petit peu posée. Je fais un peu d'administratif là, la savonnerie. J'attends que la vaisselle se termine pour pouvoir ranger un petit peu. Et après, ça va être le manger. Voilà, je suis revenue à la Savonnerie à 16h30. J'ai un peu traîné puisque j'ai profité du début d'après-midi pour jardiner un peu. Il faisait tellement beau, c'était tellement agréable. Donc j'ai jardiné pendant une petite heure. Ensuite, je vais faire quelques courses, déposer un colis Molière Relais. Là, je viens de repréparer deux commandes. J'ai fait une quinzaine de coffrets soins, de pochons soins, pardon. C'est les tout derniers, tout dernier. C'est un best-seller. Il est là depuis le début de la savonnerie. Ça fait 5 ans que je vends ce pochon et qu'il plaît toujours. Mais hélas, ces petits pochons-là ne se font plus. Dommage, c'était juste la couleur de la savonnerie. Et voilà, ça permettra de se renouveler en faisant d'autres choses. Et j'ai fait aussi la séance photo pour le coffret découverte. On est jeudi. J'ai perdu beaucoup trop de temps ce matin. Il est 9h30, mais ça fait déjà 45 minutes que je suis ici. J'ai préparé les commandes et juste une galère avec des attestations de formation.
Parce que j'ai fait deux formations l'année dernière, en 2023, notamment pour la réglementation sur les bougies, puisque maintenant on fabrique nos bougies, etc. Donc je me suis formée là-dessus. Et j'ai besoin des attestations de formation pour les impôts, ma comptable me les demande. Et ça, elle ne se génère pas automatiquement. J'ai eu la dame au téléphone, elle m'a dit oui, il faut refaire un quiz parce que. J'avais suivi, c'est comme si c'est marqué que je l'avais pas fait. Bref, on va s'occuper de ce gros pépère là. Bon, eh bien, je suis ravie. Je le trouve très joli. Il est complètement différent de ce que j'ai pu faire récemment, disons, ces dernières années, avec Flo la savonnerie. Donc, ça me change. Je suis très contente. Le seul petit regret que j'ai, c'est ces rivières de glycérine dans la partie blanche. Vous le voyez. Alors, il y a certaines personnes qui aiment beaucoup, qui trouvent ça original. Moi, moyen. J'aime moyen. Là, par exemple, dans les parties où il est un petit peu moins chauffé, les extérieurs, il y en a moins. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien lui trouver un petit défaut, hein, sinon il serait trop parfait, que voulez-vous. En tout cas, je suis très contente et j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais le laisser un petit peu sécher parce qu'il est encore un tout petit peu mou pour le tamponner. Donc, je pense que je vais le tamponner que cet après-midi. Il est 11 h, j'ai d'autres petites choses à faire, et notamment sur le logiciel Logissop que je vous montre tout de suite. Donc voilà, Logissop, c'est un nouveau logiciel qui a été élaboré par une savonnière, donc du coup, qui est parfaitement adapté et qui connaît très très bien nos besoins. Alors évidemment, je ne peux pas trop vous montrer le contenu parce que j'ai toutes mes recettes dedans, donc c'est quand même assez confidentiel, vous comprendrez bien. Et donc du coup, voilà, là, il faut que je continue de rentrer mes recettes dedans parce que j'en ai quand même beaucoup et pour le moment j'ai rentré que ça parce que je les ai rentrées vraiment au fur et à mesure que j'avais besoin de les faire. Sachez par contre que je vous mets le lien dans la description et que vous avez en partenariat avec le logiciel une remise de 15% sur votre premier paiement si ça vous intéresse. Donc du coup, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos
et le code réduction pour avoir la remise. Donc du coup, moi, je rentre toutes mes matières premières dedans. Ça me permet de rentrer les matières premières, les numéros de lot, de ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois. Donc ça me permet évidemment de gagner du temps sur les fabrications, puisque j'ai pas besoin de ressaisir et de tout réécrire à la main. C'est quand même vachement plus pratique comme ça. Ça me permet de suivre aussi les stocks qui sont encore en train de sécher, les stocks ont fini de sécher, etc. Moi, je l'apprécie particulièrement aussi pour une des fonctionnalités, c'est le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai mes recettes, je les rentre pour un grand moule comme vous avez vu là. Et puis par exemple, si je veux faire un petit peu moins, parce que quand c'est des cupcakes, je fais un petit peu moins, ou si je veux faire un petit peu plus, enfin voilà, en fonction des moules que j'utilise, de la version que je veux faire, bah du coup, je change le coefficient multiplicateur et ça m'évite de recalculer, c'est-à-dire de diviser tous mes ingrédients, les quantités, etc., au risque de se tromper. Et ça m'évite d'avoir 36 fiches recettes avec différentes quantités en fonction des moules que j'utilise. Donc ça, c'est vachement bien. Alors c'est sûr que ça a un coût, mais franchement, par rapport au temps gagné, je pense qu'on s'y retrouve. Donc par exemple là, je rentre une matière première que je n'avais pas rentrée dans le logiciel et ça me permet de mettre aussi un seuil d'alerte pour être alerté lorsque je descends en dessous de cette quantité. Ça me permet de mettre un prix au kilo, de fait que bah, ça me permet de calculer en fait le prix, le coût de mes recettes. Je viens de terminer le tamponnage et les bavurages du savon donc découpé ce matin. Je l'ai fait en live sur Instagram, j'avais envie de papoter, ça me manquait trop trop trop. Là, je vais faire le nettoyage maintenant. J'ai fait aussi un petit TikTok rigolo. Je suis artisan savonnière. Bien sûr qu'on m'a déjà demandé si mon savon lait de chèvre, il sentait la biquette. Bon non, bien sûr que tu sens pas la biquette. Tu sens très bon. Je suis artisan savonnière. Bien sûr qu'on m'a déjà dit. Ah, on dirait un gâteau. Bon, en même temps, c'est fait pour. Hein. Il y a la version, on dirait du fromage aussi. Bon, ça, par contre, c'est moins glam, c'est sûr. Je suis artisan savonnière. Bien sûr qu'on m'a dit plein de fois. Mais ils sont trop beaux, je vais jamais oser les utiliser. Bon, évidemment, les gens n'ont pas une voix niaise comme ça. Hein. Je suis artisan savonnière. Bien sûr qu'on m'a déjà dit. Ouais, enfin, 10 balles pour un savon. C'est vrai. Il devrait être vendu beaucoup plus cher. Je suis artisan savonnière et bien sûr que je remercie énormément toutes les personnes qui me font confiance en se faisant plaisir et en utilisant mes produits. Et donc voilà, là il est 14h40, ça va être ménage. Et je crois que je ne vais pas faire long feu ici. Je vais aller faire le montage d'aujourd'hui, comme ça je finirai pas trop tard aujourd'hui. Ce serait bien. Hello, on est vendredi et le vendredi, c'est les imprévus. Voilà. Je devais faire des bougies là toute la journée, mais il est 9h et changement de plan. Enfin, je vais essayer d'en faire quand même aujourd'hui, mais là, mon fils est malade, il a la grippe, donc très mauvaise nuit. En prime, bah, du coup, il faut que j'aille à la pharmacie là pour lui acheter des médicaments. Donc, comme c'est le chemin du Mondial Relais, je prépare la seule commande Mondial Relais que j'ai aujourd'hui, comme ça je vais la déposer en même temps. Et puis après je reviens ici. Il est presque 11h, je suis de retour dans la savonnerie, toujours avec ma petite Sky qui me regarde derrière la fenêtre. Sky, c'est un chat qu'on a adopté à la SPA l'année dernière quand on est arrivé ici. Et si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous la connaissez peut-être pas. En tout cas, elle aime bien regarder par la fenêtre ce qui se passe. Elle aimerait bien rentrer dans la savonnerie, mais bon, c'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui, là, c'est journée bougie. Donc les bougies, ça se passe dans ce coin-là. Donc j'ai mon matériel, le bain-marie, la balance, etc. Là, c'est vraiment le coin où il y a tout pour les bougies. Il y a bah, les contenants, les fragrances, la cire, les emballages, tout, tout, tout. Donc c'est ici que ça se passe.
pas été évident de se concentrer. En plus, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait des bougies. Donc là, j'ai fait 6 bougies pluie d'étoiles et 6 bougies pétales d'oranger. Alors, il est 13h30 et là, je suis à mon bureau. Je viens de déjeuner et je me suis rendu compte ce matin en faisant des bougies. Et eh bien en fait que je n'avais plus du tout de contenant en verre, vous savez, avec le petit bouchon en liège. Donc c'est très embêtant puisque la plupart de mes bougies sont faites avec ce contenant. Et j'avais complètement oublié comment Noël, j'avais tout utilisé et que j'en avais plus. Donc avant de retourner à la savonnerie, je vais passer ma commande, très important. Et j'ai aussi 2 fragrances à recommander. Pour qu'on puisse en même temps du coup refaire des bougies avec ces contenants-là et ces nouvelles fragrances, enfin pas des nouvelles fragrances, si. Il y en a une, c'est une nouvelle, c'est bois de oud que j'ai déjà testé et que ma cousine adore et du coup je vais en faire quelques-unes et voir si ça plaît, si c'est une fragrance qui plaît. A priori j'avais fait un sondage et ça plaît, donc on verra bien. Et puis l'autre, c'est le fameux musc blanc de notre bougie Bliss. J'ai tout mis en bois, j'en ai gardé quelques-uns ouverts pour pouvoir les montrer si quelqu'un voulait voir ici à la savonnerie. Ça y est, c'est fini pour cette journée. J'aurais pas pensé faire autant aujourd'hui parce que j'ai passé aussi plein de commandes fournisseurs. Et c'est aussi du coup la fin de ce vlog. Merci infiniment d'avoir passé toute cette semaine avec moi. Et vraiment encore plus merci si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite. Je vous laisse les infos en barre d'infos concernant le Logisop, tout ce dont je vous ai parlé dans ce vlog. Et aussi pour les stages en immersion, si ça vous intéresse de venir passer comme ça une semaine avec moi à la savonnerie, mais en vrai. Je vous laisse les informations, le lien pour vous inscrire, pour postuler, pour poser votre candidature. Il y aura très peu de place, il y aura très peu de sessions dans l'année parce que je tiens à ce que ce soit qualitatif. Et que ce soit super intéressant pour vous comme pour moi. Donc vraiment, on va axer sur la qualité comme d'hab. Et on se retrouve très vite dans un nouveau vlog. Bye bye!